premier luxembourgeois, c'est la première fois que ça c'est la première fois pendant cette saison et la saison dernière. C'était mon but. Et maintenant, j'essaie de battre une fois le Weber. Qu'est-ce qui t'a manqué justement aujourd'hui pour arriver à tenir le rythme imposé par Sacha? Ben, je pense qu'au début, c'était très vite. Et après, il y avait Jungblatt et Weber avec moi en tête. Et de rouler contre les deux différents dangereux, c'est difficile. T'as pas eu l'impression de t'être fait piéger? Si, mais je pouvais pas faire autre chose vu qu'ils étaient à deux. Quand le premier l'a attaqué, je devais suivre. Et quand l'autre il a attaqué aussi, je devais poursuivre aussi. Donc j'avais pas un autre choix. T'étais pas ici l'an dernier, c'était un désavantage par rapport à tes opposants? Tu connaissais un petit peu moins le parcours ou pas forcément? Je l'ai fait il y a deux ans et je pense que je me souvenais encore très bien. Il n'y avait pas grand chose qui a changé, donc je me souvenais encore beaucoup des virages et tout ça. Tout le monde le dit, cette année, on sent que tu peux faire quelque chose. Comment tu le ressens? Il y a tout le monde qui est là pour t'encourager aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'encouragent et il y a un peu de pression. Et je l'aime bien aussi, mais c'est difficile de rouler avec une telle pression dans chaque course. Ouais, Kale, c'est un parcours qui te conviendra un petit peu mieux? Oh, il y a beaucoup de passages techniques et je pense qu'ils vont avoir moins d'écart parce qu'il n'y a que Sacha qui va rouler tout devant parce qu'avec Jungblatt, il n'est pas si fort dans les passages techniques. Donc c'est plus un contre un. C'est un parcours que Gusti apprécie aussi. Tu t'attends à une revanche de sa part? En fait, j'ai entendu que son boyau il a sauté aussi. Ou il m'a encore dit au départ que si mon boyau il était bien collé, il se moquait un peu de moi. Et donc, c'est ce qui arrive.